Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, désolée, pour vous faire un tuto comment faire cette fleur que j'ai créée, que je trouve trop jolie. Donc puisque les petites fleurs qu'on connaît tous, les petites boules là, elles sont trop petites et voilà, quand on fait des boules grosses comme ceci, ça va être trop joli. On va avoir besoin de 5 élastiques orange ou de couleur au choix, 6 fois, 5 fois 6, voilà. Donc 2 élastiques marron, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 fois, un crochet, et bien sûr, c'est parti. Ok, donc je vais prendre 5 des élastiques de la couleur de tes pétales, je vais les mettre tous en dédoublé une fois, puis je prends 2 élastiques marron ou de la couleur de votre choix, puis j'enfile tous mes 5 dedans. Et je remets ici. Je vais refaire l'opération une fois et vous allez continuer tout seul. C'est très facile. Voilà. J'espère que vous comprenez quand j'explique. Et voilà. Donc je vais continuer ainsi et je vous retrouve après. Donc voilà. Je vais prendre 2 élastiques marrons. Une autre fois, puis je prends les 4x4 élastiques et les enfiler tous dedans. Voilà, jusqu'à mettre tous les pétales dedans. Une fois que j'ai tous mis dedans, je reprends l'autre côté. Et puis donc, je vais reformer une petite chaînette si vous voulez. Comme ceci. Puis je prends 2 élastiques sur 2 et je tire. Puis je lâche et je forme ma fleur. Et donc la voici. Peut-être que vous voyez que celle-ci est plus jolie que celle-ci parce que les élastiques sont un peu relâchés, voilà. Car c'est des élastiques déjà utilisés, puis je les ai enlevés, puis je les ai réutilisés, c'est pour ça. Donc vous allez utiliser des élastiques nouveaux et vous allez être fiers du résultat. Il me reste qu'à vous dire au revoir, attendez-moi pour un nouveau tutoriel. Bye!